T'es déjà venu ? À la casse ? Non. J'ai juste vu le panneau en arrivant. D'accord. Observatrice. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route ? C'est pas la grande route ? Non, on est sur le terrain des Hackettes. La grande route est à 2 km, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout ? Oh, ta gueule ! Alors, on doit marcher encore 1 heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... je sais pas quoi. Ouais. Ah ! C'était quoi, ça ? Ça fait bzzz. Faut continuer. Ok. Alors, Ryan et Laura, hein ? Putain... Mais non. Il a vraiment fait le connard, hein? Ouais, mais elle a dit qu'elle avait un copain. Peut-être qu'il a choisi d'ignorer cette info. Sûrement. Il doit être en train de se demander s'il peut pas aller ruminer dans un coin tout seul en bossant ses abdos. Quel connard. Ouais, tu l'as dit. Ils sont en mode... On s'en fout un peu. Maintenant qu'il est parti pour une grande aventure avec la mystérieuse Laura, comment tu veux lutter ? Oh. On s'est bien rapprochés autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc ? On verra l'année prochaine ? Ouais, faudrait d'abord survivre celle-là. Ça va, je pensais que Caitlin était à fond sur lui, mais... On a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes, sûres d'elles, avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Ils sont marrants, ces deux-là. On va essayer de pas les tuer. Oh merde. Du calme. Détecteur de mouvement. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Allez, par là. Est-ce qu'on va continuer de leur côté ou on va... Doucement, mort. Non, mais elle... Tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. Ouais, moi je... Lâche-moi tout de suite. Moi je la défends pas. Tu pourras plus nous faire du mal. C'est terminé. Arrêtez tous ! Tu l'as tué. Ma, ferme ta gueule ! Je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton. Oui. Oui, papa. Lâche-moi, connard ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On ne s'occupe plus de les protéger, Bobby. Pas après ce qu'ils ont fait à notre Kaylee. Faire diversion ? C'est quoi cette diversion pourrie ? Non, mais qu'est-ce qui lui prend ? Hé, la traînée, tu chantes très mal. Ah merde! Ryan, cours! Il a mon couteau! Comme c'est une. Ouais, c'est... elle en serait bien capable. Quoi? Elle m'a craché dessus, la salope! Tu fais bien de courir! Est-ce que du coup. Parce que si t'es infecté quand t'es mordu et tout, est-ce que ça peut être par la salive ? Et comme elle lui a craché dessus, est-ce qu'elle pourrait être infectée du coup, la vieille ?
Ok. Ok, j'aime pas ça. Non, ne le retire pas. C'est un bouchon. Ça va pisser le sang, ne le retire pas. Non, 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 non. On ne tire pas le couteau. On le laisse. Ça fait bouchon avec la plaie. Voilà. Tu vas perdre beaucoup trop de sang. Laisse-le comme ça. Faudra juste éviter de passer dans des petits coins. Et puis, ça va bien se passer. Quand regardez-le se balader avec son couteau au coin de le... Oh, un gros caca. Mais qui a fait ça? Il était énorme, quand même. Je sais même pas pourquoi il a tiré le seau. Je veux dire, à moins que ce soit un vieux caca séché, ça doit se sentir à l'odeur, non? Ah, une carte. Oh, la carte de la mort. Ok. Je sens que dans ce chapitre-là aussi, on va avoir des tonnes de cartes. Attendez. Il y a plusieurs portes ou... Ça, on a vu. C'est le gros caca. Bon, ça, c'est fermé. Tu veux vraiment regarder? Ah! Se cacher. Sous le lit avec le caca, peut-être? Par contre, tu voudras peut-être retenir ta respiration, et pour plusieurs raisons. Ah, merde. Non. Ah, c'est bon quand même? Je suis là, j'attends. Terminé. Ah, il est de nouveau dans les escaliers de la carrière. Ah merde, mais le mec t'a vu, hein. Par contre, ouais, là, on va plus être gentil avec eux. Tu me surprends pas dans ma propre baraque, enfoiré. C'est toi, l'enfoiré. Waouh. Waouh. La réplique. Chopez-la, chopez-la, chopez-la. Quand est-ce qu'elle se transforme, elle? Ouais, se cacher, pourquoi pas. Ah, trop tôt. Ne fais rien de stupide. Ah, oh, mais elle est stupide. Elle est en train de se transformer.
Elle est toute en lambeaux, leur baraque. Ok, on est de nouveau en mode exploration. Non, ce serait stupide. Mais elle est un peu stupide. Ça insulte même les pianos. Aïe, 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 aucun respect. Oh. Il y a des ours dans le coin. Je pensais qu'on allait avoir de la lecture, mais c'était le trophée de chasse. Ouh, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Du lore. Ouh, l'arbre généalogique complet. Travis, Chris, Amelia, qui est déjà morte. Attendez, je veux prendre le temps de regarder. Je peux? Ah, super. Ça remonte, je ne sais pas où. Apparemment, eux, ils ont eu beaucoup d'enfants. Voyons voir. Constance et Gédédia. Donc ça va être la vieille dame et le vieux monsieur. On a Travis. Je sais pas ce qu'il y a écrit en dessous, en petite écriture. Travis, Chris qui s'est marié, enfin qui a été avec Amelia, qui est morte à 26 ans, peut-être tuée par Chris, on ne sait pas. Robert, ah Robert Bobby, donc c'est le, ce serait leur troisième frère, ils auraient un troisième frère, un petit frère. Et effectivement, du coup, il y avait juste une petite fille. Ah non, elle est née en 99, donc c'est la femme de Chris est peut-être morte en couche. Et Caleb. Il n'y a pas un Yann quelque part, du coup? Et elle a dit quoi aussi, que la malédiction, c'était parce que machin avait été mordu? Mais c'est qui? Benjamin, Azaria. Ça va toujours de... ça se transmet toujours de... par le père, non? Nathanaël Hackett. Et tout en haut, c'était encore un Gédédia. Ça remonte jusque 1681. Ok. Un bon bout de l'or comme on les aime. De la paperasse, de la lecture. Ah, très très intéressant. Attendez, laissez-nous le... Tu permets qu'on lise en français, s'il te plaît ? Afficher le texte. Ces cages électrifiées devraient pouvoir contenir Chris, Caleb et Kaylee lors des pleines lunes pendant les vacances d'été. J'ai choisi la livraison prioritaire. Elle devrait donc être là avant l'arrivée des enfants. Nous devons à tout prix éviter d'autres incidents. Après les vacances, inutile de les enfermer. Ils pourront peut-être nous aider à trouver le loup blanc. En flairant son odeur par exemple, c'est sans danger tant qu'on utilise le sang. Signé T. Les fameuses fioles dont ils ont aspergé Jacob. Donc s'il est toujours un peu aspergé, normalement, il est à l'abri.
À moins que ce soit le sang de... C'est peut-être le sang de la famille Hackett, en fait. Et du coup, si le loup sent son propre sang sur les personnes, il attaque pas parce qu'il considère peut-être les gens comme leur famille. Mais si Jacob se retrouvait face à Nick, peut-être que du coup, là, il serait en danger. Attends, non, moi je viens de là. Astopu ! Moi je viens de là, j'ai fouillé le bureau. Mais je suis pas allée tout à gauche par là. J'allais dire ça ressemble à un cul-de-sac, mais... La carte ! Je suis la carte. Mmh. On voit rien. Enfin, moi je vois rien. Ah, si. Ah, c'est la... Bah c'est mamie en fait. Est-ce que mamie elle est là pour nous dire une mort imminente? Ah. Coucou ma belle. Vous voyez ses yeux jaunes. Fini de jouer maintenant, ma petite. Toujours enfoirée. Attention, Jen. Elle a pas l'air forte. Ah, elle a été mordue. Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Non, moi j'ai pas envie de la défendre. Et ça me fait pas forcément plaisir de la voir être charcutée en vrai. Travis, ramène ton cul, on a besoin d'argent pour la fille. Travis ? Où il est passé ? Bon, allez. Oh, merde. Donne ta position. La laisse pas filer, Jet. Poignarde-la. Ah. Elle va se transformer. Quoi? Oh, merde. Ah, j'avais pas pensé à ça. Il faut que tu te mettes contre... Non. Ah. Non, attends. Ah, 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 putain, ah. Ah. Elle voit dans le noir, c'est l'un des leurs. Où es-tu? Je vais prendre plaisir à te regarder mourir, petite. Hé! Hey! Que tout le monde s'arrête! Ça suffit comme ça! Explose-lui la cervelle. Elle est mordue. Oui. Oui, truffe-la d'argent, fiston. Fais-le, franchement, c'est de sa faute, toutes ces conneries. Attends! Tu l'as! Oh! Aïe, 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 cette partie! Je crois que pour le moment, ceux que j'aimais le plus, ils sont morts. À part Emma, bien sûr. Bah
le jeu qui nous a trahis par rapport à Jacob. Oh, le vieux coup de la fente. Ouais, j'avoue, faudrait pas enfoncer ce couteau. Oui, c'est vrai que moi je lui disais, ouais, tant que tu vas pas te foutre dans des coins étroits et tout, ça ira. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se foutre dans un coin étroit. Et tu jettes même pas un coup d'œil dans le petit trou? Il est dehors? Toujours pas? Il est dans une sorte de serre. Presque sorti alors. Allez, ah merde! Il faut que tu m'aides. Ah bon? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Bah, écoute, poignardé. Tu m'as planté! Ouais, ça fait mal, hein? J'avais jamais été planté avant. En plus, il y a mis dans le cœur. Aïe, mais ça fait mal. Papa! Par contre, du coup, tu pisses le sang. Au secours! Laura! Ouais. C'est moi! Oh, tu sais, la routine habituelle. Tu te souviens pas qu'il a été planté? À cause de ta diversion bizarre. C'est grave. Oh, elle va le mordre. C'est ça la vision, elle va le mordre. C'est grave que ça. J'arrête pas d'essayer de régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant toi. Moqueur. Enfin, je voulais pas te le dire, mais... T'aurais pas dû m'accompagner. Sans deck. Désolé. On va avoir le choix entre qu'elle nous morde pour qu'on se régénère, peut-être. Je vais mourir. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça va guérir, hein. Attends. Peut-être que oui. Quoi? Ryan, si tu me laisses te mordre... Quoi? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais, je sais, le grand méchant loup. Ouais. Oh. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris... Alors... Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Mais non, mais pourquoi vous sauver ta peau. Pourquoi vous oubliez pas le... Et celle de Max et tes potes. Pourquoi tout le monde oublie le loup-garou original, c'est pas Chris. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à quête. Ou je me vide de mon sang. Vous êtes tous teubés. En gros, ouais. T'as le choix, pour l'instant. Alors, on y va ou pas? Est-ce que j'ai le choix, du coup?
Je vais refuser. Je veux qu'elle porte ça sur sa conscience toute sa vie. Je crois juste... Je crois qu'un de nous doit rester... humain. Mais tu vas mourir. Tu t'en fous de ça. Tu veux juste que je fasse ton sale boulot. La ferme. Alors c'est pas grave si moi, si Max, si tes potes sont infectés. Mais surtout pas ce cher Ryan, même si ça te sauve la vie. Ça ne lui sauve pas la vie, il va mourir. Quel enfoiré. Merde. Il faut qu'on parte. Allez, je te tiens. S'il peut se lever, peut-être qu'il va pas mourir finalement. Après, il est avec une grande carnivore, donc. Et par contre, il laisse du sang partout, donc ils vont être facilement pistables, non? Mec ne jette jamais rien, hein. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement? Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça nous aide pas tellement. Ok, alors on cherche des... moteurs? N'importe quoi qui serait intact. Compris. Ok. Pouf, je pense qu'on est plus très loin du jeu, mais je pense pas qu'on le finira avant 17h. Bien s'occuper, hein. Ah, essaie de faire moins de bruit. Oh, ouais. Merde. Tu trouves un truc? Non, pas encore. Continue. Est-ce que au moins t'as expliqué à Dylan à quoi ça ressemble, un doigt d'allumeur? Heureusement qu'au moins Kathleen est armée et qu'elle est une bonne tireuse. Du coup, Dylan t'éloigne pas trop. Oh! Quelle peur. Attends. Les détecteurs sont là. Ouais, je sais. Le truc, c'est que ça fait du bruit aussi, les détecteurs. Voyons voir, il y a peut-être des trucs dans cet atelier, non? Voyons, oh! Fais pas ça! Ça va faire du bruit! On va finir dans un documentaire. Mais non! Allez, ta gueule, viens! Et là-haut, il n'y avait pas des trucs intéressants? Si je peux aller là-haut, je vais là-haut, hein. Voyons voir. Pleine lune. Ces gros fils de pute avaient tout prévu. Mais tout prévu comment? Ils essayaient juste de vous protéger, hein. De la case. T'es, c'est qui? Ah oui, eux, ils savent pas que c'est Travis. On dirait bien qu'ils trafiquaient un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Je suis très curieuse de voir la fin.
Même si c'est pas pour aujourd'hui, je suis contente que de savoir que j'aurai pas à attendre une semaine de plus. Bon, on a ouvert ces grilles, on va y aller. Attends, je pousse quand même jusque dans ce petit coin. Petit coin, non? Ok, les grilles alors. Oui, je sais. C'est flippant ces détecteurs de mouvement. Ok, donc là-dessous. Ah, il y a une grue là-bas. Ah! Pardon, c'était flippant. Ah! Bah, ça casse les couilles. On est traqué par des monstres tueurs et c'est ça qui t'emmerde. L'un n'empêche pas l'autre. Kathleen, reste près de moi, s'il te plaît. Ça tombe à la fin, je verrai pas la fin parce qu'ils vont juste tous mourir. Combien il nous en reste au juste? Ils étaient 7 ou 9 au début? En comptant Laura et Max. En fait, je me dis, si j'avais laissé Laura mourir, est-ce que du coup, Ryan, il serait mort d'office tout à l'heure? Vaut mieux peut-être que je la laisse vivre un petit peu. Là-haut, peut-être. Ah. Là. Quoi là? Quoi, il commence à faire jour? Alors, t'as déjà conduit une grue, toi? En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, c'est non. Oh, je viens de comprendre. Tiens, et si t'allais voir si tu peux la descendre, qu'on jette un œil sous le capot? Ok. Ouais, bien sûr. Mais bon, tu me protèges, hein? Ouais. Allez, Dylan, c'est une très bonne tireuse, elle va te protéger. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est le retour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé. Oh, merde. Ok. Allez. Comment il a fait pour trouver le bouton pour éteindre la radio d'office, hein? Par contre, on va essayer de pas écrabouiller Kathleen. Ce serait un peu dommage. Peut-être qu'elle devrait se reculer. J'ai trouvé ma vocation. Bah, il était temps. Bon. Peut-être essayer de marcher ce machin. Oh, c'est cool. Qu'est-ce qu'il a? Ah, marde. Oh, non.
Elle peut peut-être se cacher dans la voiture. Y'a un truc qui vient. Quoi? Cache-toi. Voilà, maintenant, lève pour la protéger. En espérant qu'elle fasse... balancer la voiture ou klaxonner. Klaxonner peut-être ? Non, non, Kathleen ! Oh ! Oh ! Allez, allez! Crame-lui la face! Oh, ouh là là! Kathleen? Rebalancer la voiture, elle va être ruinée, mais... Allez, 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 allez. Ces deux-là, je ne veux pas qu'ils meurent. Par contre, si c'est Nick, dommage. Ça a sauvé la vie, donc ne dis plus, ne te moque plus de lui maintenant. Après, normalement, je crois qu'on peut pas les avoir facilement, donc peut-être que le loup-garou il est seulement sonné. Dylan, merci, tu m'as sauvé la vie, vraiment. Oh, tu sais, c'est rien, mais j'ai hâte de savoir qui y choisiront. Quoi? Pour jouer mon rôle. Dans le film, sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue ? Toujours mieux que de rester ici. Allez. Ah ouais, surtout qu'on n'est même pas sûr qu'ils soient vraiment morts. Enfin, nous, on connaît leur pouvoir de régénération, mais... En fait, je sais pas si c'est un hasard, mais quand il y a le truc de QTE qui apparaît, on voit une espèce de petite demi-lune, en fait, avant de savoir dans quelle direction tourner le stick. Et du coup, je me demande si... est-ce que c'est volontaire, cette demi-lune? Genre une lune, tout ça, loup-garou? Ou simple choix artistique? Bon, ils sont pas prêts d'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Hop, en fait, on va s'arrêter ici parce qu'il est déjà moins 5. Oh, on va faire un petit peu de lecture juste avant. C'est bizarre, ces points d'exclamation qui sont là, mais on ne peut pas les consulter. Ah, note de la casse. C'est demande griffonné de tenir une entrée hors des registres. Pour le moins suspect. Il doit y avoir quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Le message fait référence à la voiture de Max. Travis ne voulait pas qu'elle apparaisse dans les registres pour qu'on ne retrouve pas leurs traces. Ok. Arbre généalogique des Hackett. La famille Hackett est implantée ici depuis longtemps. Leur arbre généalogique est profondément enraciné dans la région. Ah oui, à propos de ça, en fait, la vieille dame qui nous lit les cartes de tarot, je me demande si ça peut pas être la folle de Hackett Squarry, la femme qui aurait perdu son fils Silas, peut-être à cause de la famille Hackett. Et peut-être qu'elle essaierait de se venger d'eux, en fait. Je sais pas. Parce que quand elle disait une vermine en moins, en fait, après la mort de Kaylee, du coup, je pense qu'elle doit beaucoup en vouloir à la famille Hackett. Et du coup, je pense que c'est peut-être la folle de Hackett Squarry. Il n'y avait pas un truc, attendez. Je me souviens du passage. Ah, on peut pas reconsulter l'arbre généalogique.
Ah, mince, on peut pas le revoir. Je viens de me souvenir que... la vieille Hackett, elle disait qu'ils avaient la malédiction depuis que Hank avait brûlé dans le feu des gitans. Et du coup, je me dis que c'est... je sais pas qui c'était, ce Hank, ça doit être quelqu'un de leur famille. Et le feu des gitans, ça doit être l'incendie qui a brûlé la fête foraine. Et je sais pas, du coup, est-ce que Silas serait mort dans l'incendie? Est-ce qu'il aurait été... Enfin, et après, les gitans auraient mis cette malédiction sur la famille Hackett. Je me pose ces questions. C'est mes théories, en tout cas. Voyons voir. 1, 2... 3, 4... Cinq. Cinq et six avec Nick. Et du coup, nos décédés. Un. Deux. Et trois. Donc ouais, on a un tiers du cast mouru. Ouais, il nous reste encore trois cartes à découvrir, à moins qu'on les ait ratées. Je crois que je vais me reposer. Tu fais bien, Ryan. Et nous aussi, on va se reposer. On va terminer le jeu demain. Je pense qu'il doit rester deux chapitres, donc sans doute pas de quoi nous faire quatre heures. Mais comme demain il fait ultra chaud, je pense que j'écourterai sans doute le stream en fait pour laisser ma petite chambre aérée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce stream. Est-ce que vous aussi vous avez des théories? Si vous regardez cette VOD sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre votre petite théorie, tout ça, dans les commentaires. Voilà. Et si vous me suivez sur Twitch, eh ben je vous retrouve demain pour le dernier épisode. Voilà. Hop! Bonne fin de journée à vous et à très très bientôt! Salut! Bye!